Monsieur Adel Bourghazen, bonjour. Bonjour, Souvila. Alors, l'actualité incontournable. Ce matin, l'élection présidentielle, dont le taux de participation provisoire a atteint à 20h 48,03% au niveau national et 19% pour la communauté à l'étranger. Un taux déjà supérieur à celui enregistré en 2019. Adel Bourghazen. Oui, exactement. Donc, comparant ce taux de 48% à celui de 2019, qui était de 39,88%, je pense que ce taux est un très bon taux déjà, avec aussi les conditions donc climatiques peut-être. Donc je pense que c'est un bon taux pour ces élections présidentielles. Ceci dit, on doit tous travailler encore, inchallah, pour que ce taux soit plus élevé lors des prochaines, inchallah, élections. Et bien sûr, l'élection présidentielle intéresse au premier niveau. Je vous dis, il faut travailler à l'avenir sur cet aspect-là. La culture du vote, c'est un apprentissage. Il faut mettre aujourd'hui les moyens, renouer le citoyen avec l'opération électorale. Et c'est la mission de l'ANI. Effectivement, je pense que l'ANI, en tant qu'organisme, organisation chargée de l'organisation, de la supervision des élections, doit quand même travailler et faire des analyses approfondies sur les taux de participation, donc les taux par wilaya, par sexe, homme-femme, jeune, moins jeune, et pourquoi pas faire des études en collaboration avec les centres de recherche pour un petit peu vulgariser cette culture de vote et sensibiliser plus les électeurs algériens à participer plus. Voilà, donc je pense que l'ANI, peut-être en collaboration avec d'autres acteurs de l'opération électorale, hein, je pense, je parle des partis politique, peut-être des collectivités locales. Donc je pense que à ce stade-là, on doit décortiquer ces chiffres. Donc même ici en Algérie ou peut-être à l'international, aussi à l'étranger, donc décortiquer ces chiffres et quand même arriver à commenter ces chiffres et pourquoi pas faire des actions dans le futur pour améliorer la culture de vote. Donc il faut travailler sur le long terme pour les prochaines échéances électorales. Quand vous dites qu'il faut des études pointues et des recherches également avec des centres spécialisés pour mieux appréhender les prochaines échéances, il faut prendre en considération aujourd'hui la composition du corps électoral. Si on se réfère bien sûr aux chiffres qui ont communiqué déjà par l'ANI, on retrouve que 33% du corps électoral, c'est des jeunes de moins de 40 ans. On retrouve également, par exemple, les femmes qui sont à un niveau aussi supérieur, équivalent à un peu plus 45%. Les hommes, les personnes âgées sont de l'ordre de pratiquement 15%. Il faut des études vraiment pointues, y compris la diaspora à l'étranger. Exactement. Donc moins d'un million d'électeurs. Déjà, l'opération électorale, elle se passe sur plusieurs étapes. Commençons déjà par l'inscription sur les listes électorales. Pourquoi on a uniquement 36% des personnes qui sont inscrites sur la liste qui ont moins de 40 ans, alors que on a, je dis pas 70%, parce que les gens qui ont moins de 18 ans ne sont pas appelés à voter, mais quelque part, on a le un tiers de la population qui a entre 18 et 40 ans. Normalement, ce un tiers se reflète un petit peu sur la composante du corps électoral. Et aussi, donc, commençons par l'inscription sur les listes électorales, et après, l'acte de vote en lui-même, on doit se rapprocher peut-être à travers des études, à travers des sondages, lors entre les élections, parce que une fois que des chiffres aussi, parce que c'est les chiffres qui parlent, et ça permet aussi de mesurer est-ce qu'on est dans le bon sens, et ça évolue dans le bon sens. Voilà, c'est ça mon idée. Mais à partir de la majorité 19 ans, il faut adopter aussi une inscription automatique sur le fichier électoral, parce que c'est une inscription aujourd'hui volontaire, aller à la collectivité locale, aller à la PC pour s'inscrire sur le fichier électoral. Est-ce qu'il faut adopter aussi une inscription automatique à partir de l'âge de 19 ans, puisque nous avons les moyens aujourd'hui de numérisation qui permettent de savoir qui a 19 ans, à quel âge, à quel moment il a atteint l'âge, bien sûr, de la majorité. Exactement. Je pense que ça se passe dans plusieurs pays dans le monde. Dans tous les pays. Oui. Et je pense qu'à partir de 18 ans, l'ANI actuellement, elle a accès peut-être au fichier de l'état civil, et je pense qu'il est pertinent et ça serait bien que tout citoyen qui a 18 ans soit
inscrit automatiquement sur la liste électorale. Ceci dit, il faut beaucoup plus de sensibilisation envers les jeunes, parce que ça sert à rien d'avoir des jeunes qui sont inscrits sur les listes électorales et que le jour J ne vont pas voter. Donc il faut retravailler plus cette culture citoyenne, on va dire. Parce que, et la citoyenneté, ça commence ça se travaille dans un âge précoce. Il faut commencer à l'école, il faut commencer dans les CEM, dans les lycées, même à l'université. On a parlé hier de l'université. Donc il faut qu'on prépare nos enfants. Pourquoi pas ne pas même l'éducation de ce qu'on appelle le tarbiyah al-madani, l'éducation civique, doit quand même être liée avec les élections, et on doit préparer nos enfants et nos jeunes à l'opération électorale dès le jeune âge, parce que c'est un acte de citoyenneté avant tout. On peut pas être citoyen si on vote pas, quoi. Mais cette culture de citoyenneté, c'est le rôle un peu aujourd'hui de la société civile, des partis politiques en premier lieu, monsieur Adel Bourgazin. Exactement, vous avez bien fait de le souligner. Donc société civile, associations, donc comité de quartier, scouts, donc les associations locales, nationales, et aussi en parallèle les partis politiques. Je pense que les partis politiques doivent aussi reprendre donc la main sur la formation des jeunes générations, parce que il faut qu'aujourd'hui l'implication des jeunes dans la vie politique, oui, mais il faut que ça soit une implication de qualité. Je pense que c'est durant les 5 dernières années, alhamdoulilah, on a eu on a gagné le pari en impliquant plusieurs jeunes dans la vie politique, dans les assemblées nationales, les assemblées communales, mais il faut qu'on passe à une autre étape, une étape de qualité de la participation des jeunes, et il faut qu'on arrive à ce qu'on appelle donc la compétence. Donc jeune ou pas jeune, il faut qu'on arrive à un stade où c'est la compétence qui prime, parce que c'est la compétence qui fait avancer le pays, quoi. Alors justement, par rapport à ces aspects que vous soulevez, les partis politiques doivent s'engager dans cette réflexion, dans ces études qui doivent être engagées par des spécialistes et des centres de recherche pour opérer également leur mue et élargir leurs partisans aux femmes, aux jeunes, par exemple, puisque pour les femmes, on a supprimé le quota, il faut en parallèle trouver d'autres alternatives pour pousser les femmes à leur implication dans la vie politique. Exactement. Aujourd'hui, on a, je l'ai déjà dit, 45% du corps électoral sont des femmes, et je pense que les partis politiques, tous les acteurs de la vie politique doivent s'investir donc plus pour un petit peu, quelque part, faire impliquer plus de femmes. C'est vrai qu'on a supprimé le quota. C'était, je pense, à mon sens, une bonne chose. Mais en parallèle, les partis politiques et l'ANI, la société civile, tout le monde doit s'impliquer pour faire adhérer le maximum. Et je pense que même les partis politiques ne doivent pas travailler uniquement occasionnellement à l'occasion des rendez-vous électoraux. On doit travailler tout au long de l'année. On va être en contact permanent, parce que les jeunes, les électeurs, ils vous disent pourquoi vous venez nous voir uniquement à l'occasion des élections, où êtes-vous durant toute l'année. Donc les partis politiques doivent aussi, leur façon de faire, ils doivent réformer et doivent revenir au terrain et quand même être en proximité avec la population et les électeurs d'une manière générale. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi, par rapport aux échéances électorales, la collectivité locale, c'est le bastion de la formation des partisans? Exactement. Je pense que on commence le militantisme par la société civile, et après on accède au niveau local déjà. Oui, au niveau local. Il y a une plus grande représentativité au niveau local qu'au niveau central. Bien sûr, moi je le dis toujours, on commence par une carrière politique, par devenir député. Hein. Mmh. On commence par être élu local. Élu déjà. Local. Après, pourquoi pas un président d'assemblée populaire communale. Et après, on a la connaissance du terrain, on a la connaissance du développement local, et on peut après légiférer dans l'Assemblée nationale. Et je pense qu'on doit respecter cette échelle de valeurs en termes de militantisme politique, parce qu'on a vu durant peut-être il y a 20 ans que beaucoup de personnes qui n'avaient rien de militantisme politique, qui ont accédé à des postes malheureusement à travers des partis politiques. Mais je pense que ça doit cesser. Et revenons aux élections présidentielles, je pense que déjà on assiste à deux partis politiques déjà qui sont revenus sur la scène, donc notamment le FFS, le FFS MSP, et le MSP. Pour cette élection présidentielle, c'est une bonne chose. Ils doivent donner l'exemple, ils doivent constituer une locomotive pour que les autres partis politiques aussi suivent le chemin. Et parce qu'en réalité,
on crée un parti politique pour accéder au pouvoir. Et si on crée un parti politique juste pour le faire, on n'est pas, on participe pas au développement de la vie politique de notre pays. Voilà. Donc je lance un message aux partis politiques de réformer un petit peu leur façon de voir les choses et être en proximité des électeurs et des citoyens tout au long de l'année. Je sais que c'est pas facile. C'est un travail de, c'est une responsabilité collégiale, on va dire. Même la société civile en termes d'éducation civique par rapport aux enfants, par rapport aux jeunes, par rapport aux enfants, doivent encore faire plus parce que la sensibilisation et la vulgarisation de l'acte de vote, c'est vrai que c'est la responsabilité de l'ANI en premier, mais c'est la responsabilité de tous les autres acteurs aussi. Mais les partis politiques ont perdu beaucoup de terrain, ils doivent reconquérir leur place qui leur sied Bien sûr, aujourd'hui. et ça, je pense que l'élément de la confiance, il est hyper important. La confiance perdue pour la retrouver, c'est vraiment très difficile, mais je pense, Il faut renouer cette confiance. bien sûr, exactement, avec surtout avec l'opération électorale, parce que dans le passé, avant 2019, on a assisté à des opérations électorales, peut-être qui n'étaient pas, et l'électeur a un petit peu perdu confiance dans l'opération électorale, mais à partir de 2019, Dieu merci, avec l'ANI a organisé six opérations électorales, on affiche les vrais taux, on arrive à séparer l'argent de l'acte politique, quand même, on voit des jeunes dans la vie politique, et je pense que c'est des indicateurs qu'on doit un petit peu renforcer pour un petit peu aller de l'avant. Mais justement, par rapport à ce que vous abordez à l'instant, Monsieur Adel Bourgazen, pour les trois candidats, il y a eu des engagements et des propositions qui ont été formulées durant la campagne électorale, une campagne qualifiée d'intense, riche et surtout, surtout propre. C'est le grand acquis de cette campagne. Monsieur Adel Bourgazen, on a réussi à séparer l'argent du politique et c'était déjà une priorité majeure du candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune en 2017, alors qu'il était Premier ministre et c'est ce qui lui a valu une cabale de dénigrement féroce. Je pense que effectivement, en 2020, déjà, on a amendé la Constitution avec un nouveau code électoral début 2021, et je pense qu'on est en train de récolter les fruits de ces réformes constitutionnelles, parce que effectivement, c'est une campagne propre, c'est une campagne innovante, et aussi, on n'a qu'à tous les électeurs algériens retiennent trois mots. Donc, Min Ajeljaza El Montasera, Forsa Roya. Et ça, je pense que c'est innovant, c'est très important que les candidats arrivent à mesurer un programme politique en un seul mot ou une phrase. Donc c'est voilà. Mais une campagne propre va permettre de renouer cette confiance avec, bien sûr, les urnes. Exactement, exactement. L'électeur algérien a vu que les électeurs, plutôt les candidats, ont mené une campagne électorale propre avec une bonne finition. Moi, on a beaucoup aimé en tant qu'électeur les trois candidats qui étaient dans la capitale pour un petit peu le dernier jour de la campagne, là où ils arrivaient quand même à remplir des grandes salles avec des images qui étaient magnifiques avec le drapeau algérien. Je pense que c'est des images que l'histoire retiendra. Alors, Monsieur Adel Bourgazen, bien sûr, dans la première partie de l'invité de la rédaction, on a commenté, on est revenu largement sur ce taux de participation à 20h annoncé par le président de l'ANI, 48,03% à la clôture des bureaux de vote et 19%, c'est-à-dire 48,03% pour au niveau national et 19% pour la communauté à l'étranger. La communauté aussi, dans ce processus aujourd'hui de révision et de réforme, il faut impérativement l'impliquer puisque nous avons vu sa force mobilisation et organisation à l'élection, à l'occasion de cette élection présidentielle. Exactement, déjà par rapport à 2019, donc le taux était, par rapport à la diaspora, était à peine à 9%. Là, on se retrouve à 19%, donc pratiquement le taux a doublé. Donc ça prouve une implication de notre diaspora à l'étranger, notre communauté nationale à l'étranger. Moi-même, j'en ai vu les images à travers les télévisions. Donc la diaspora, elle ne demande qu'être sollicité, être valorisé. Il demande à chaque fois d'être impliqué dans la construction et l'édification de l'Algérie et participer au développement du pays. Donc c'est plus qu'un lien affectif, c'est aussi une prise de conscience. Et même la diaspora a besoin de nous. Je pense que le nouveau président donc doit encore travailler ce lien avec notre diaspora à l'étranger, qui même en termes d'élection, elle est près de 1 million.
millions d'électeurs. Où il doit, où il continuera à le faire. Oui. Alors, il faut aujourd'hui l'organiser pour contribuer à la construction du pays. C'est un défi aussi majeur pour le prochain quinquennat. Exactement, et je pense que la société civile aussi doit jouer un rôle, que ce soit ici en Algérie ou même à l'étranger notamment, donc en France, là où on a le plus d'Algériens. Donc, je pense que organiser la diaspora à travers donc, des associations, à travers des espaces, des rencontres, peut-être pourquoi pas des réductions dans les frais de transport et tout. Je pense que on doit faire plus par rapport à notre diaspora parce qu'elle demande qu'à être écoutée, être valorisée. Il faut créer cette passerelle, créer des réseaux aussi de lobbying à l'international. C'est important puisque nous avons vu que beaucoup de partis essayent aujourd'hui de ternir l'image de l'Algérie, l'Algérie qui est résolument bien sûr tournée vers l'avenir. Bien sûr, les positions de l'Algérie à l'international donc dérangent beaucoup d'ennemis de l'Algérie. Je pense que nous, Algériens, surtout à travers donc, les organisations de la société civile à l'étranger, on doit occuper tous les espaces, notamment dans les organisations internationales, on parle de l'ONU, de l'Union africaine, de la Ligue arabe, donc toutes les instances. Oui, on doit être présent pour défendre, et comme a dit notre ami hier, pour dire la vérité, parce que beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, qui se disent sur notre cher pays, mais malheureusement, quand on est absent, les absents ont toujours tort, on doit être présent, et même, je pense que les pouvoirs publics, peut-être à travers le ministère des Affaires étrangères, doivent coordonner avec les organisations de la société civile pour occuper tous les espaces à l'international pour défendre au mieux les intérêts de notre cher pays. Alors justement, on a parlé un peu de cette campagne qui a été extrêmement propre et on a parlé de grands acquis, c'est d'avoir séparé un peu l'argent du politique. Il faut consolider ces acquis et bien d'autres. Les défis sont majeurs pour ce prochain quinquennat, tant sur le plan politique, économique, social, culturel, sportif, puisque même joueurs paralympiques nous ont quand même décroché jusque-là 6 médailles d'or. Mm-hmm. Je pense que déjà sur le plan politique et parlant de la moralisation de la vie politique qui était un objectif de la nouvelle loi électorale, je pense qu'on a réussi à séparer l'argent, que ça soit sale ou pas sale, de la vie politique. On l'a constaté durant ces élections présidentielles, c'est que même la campagne électorale était, c'est vrai qu'elle était propre, elle était innovante, mais je pense que les candidats n'ont pas mis beaucoup d'argent. Et ça, je pense que c'est qu'on est dans le bon sens, ça doit continuer dans le futur. Par rapport aux enjeux, effectivement, je pense que le défi et l'enjeu numéro 1, c'est l'enjeu économique social, on doit quand même continuer cette diversification de l'économie algérienne, un petit peu réduire la facture d'importation, booster au mieux aussi les exportations sur le plan social, continuer à construire des logements, pourquoi pas garder le pouvoir d'achat. Je pense qu'il y a préservé. Oui, parce que en fin de compte, le citoyen y croit beaucoup plus des promesses et des engagements sur le plan social et sur le plan économique. Alors justement, par rapport au pouvoir d'achat, il y a eu beaucoup de propositions qui ont été formulées pendant cette campagne électorale, augmenter les salaires, revaloriser les pensions de retraite, également des primes pour les femmes au foyer, mettre en place aussi ou augmenter la prime de chômage. C'est des aspects éminemment sociaux qu'il faut impérativement prendre en considération, puisque nous avons vu qu'à travers le monde, il y a des crises financières aiguës. Il faut continuer sur cette même lancée pour bien sûr ne pas fragiliser les franges sensibles de la société. Je pense que c'est normal que les candidats fassent des promesses sur le plan social, parce que le citoyen, bien sûr qu'il a besoin que son salaire soit augmenté, qu'il vit aussi avec son salaire d'une manière digne. Et je pense que ça fait partie aussi du renforcement du lien et du front interne. Voilà. Alors la gestion efficiente des territoires, c'est un autre aspect qu'il faut impérativement prendre en considération, puisque tout le monde s'attend aujourd'hui à ce que le code des collectivités locales soit amendée durant, bien sûr, la première année ce quinquennat. Exactement. À mon sens, je pense que c'est le chantier prioritaire. On parle même de 100 wilayas qui vont être créées. Exactement. Je pense 110 wilayas. Il y aura aussi suppression des daïras. Il y aura parce que c'est pas normal aujourd'hui qu'on trouve des walis qui gèrent des wilayas à 60 communes et des walis qui gèrent des wilayas à 7 ou 8 communes. Je pense que c'est on va revenir au ratio des 10 communes. Exactement. Je pense que c'est ça. Ça va être maîtrisable en termes de gouvernance et de gestion.
patients, et même je pense que c'est la base même de tout développement économique, parce que le développement économique, ça se passe au niveau local, en premier, c'est la commune, c'est l'endroit et c'est la base de création de richesse. On crée de la richesse au niveau de la commune, et je pense qu'on doit permettre et donner les outils nécessaires aux élus, donc au niveau des communes, pour que ces communes-là puissent créer de la richesse, et créer de l'emploi, et créer de la fiscalité, et donc il y aura quand même un développement local équitable. Bien sûr, parmi les outils, c'est consacrer aujourd'hui une décentralisation des décisions du bas vers le haut, non pas l'inverse aujourd'hui. Exactement, la décentralisation et aussi... Parce que vous êtes de CITIF, vous êtes venu pour participer avec nous à cette émission. Exactement, et aussi faire participer le citoyen et la société civile dans toutes ses composantes, dans la prise de décision locale. Aujourd'hui, on a besoin de mécanismes de ce qu'on appelle la démocratie participative. Il faut pas que ça reste juste un slogan, il faut qu'on mette les mécanismes nécessaires dans la nouvelle loi de la commune pour permettre aux décideurs locaux de prendre ce qu'on appelle des décisions éclairée en faisant participer la société civile dans toutes ses composantes, hein, donc jeunes, femmes, entrepreneurs, personnes en situation d'handicap, parce que faire participer les habitants de la localité dans la prise de décision et dans le développement local, ça ne peut être que bénéfique pour toutes les localités, quoi. Il faut engager un large débat autour de cette question, puisque c'est une question aujourd'hui primordiale. Nous avons vu aujourd'hui la vulnérabilité de nos territoires, si on se réfère à des chiffres communiqués par le ministère de l'intérieur et des collectivités locales. Nous avons près de 500 communes à travers le territoire national qui sont en difficulté financière. Nous avons vu aussi des problèmes de gestion au niveau local, entre bien sûr des partis politiques parfois arrivent à des situations de blocage. Il faut un large débat autour de ces questions-là, de telle sorte à trouver les bonnes solutions et ne pas réformer tous les 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, même si bien sûr les réformes doivent s'adapter au contexte politique et géopolitique. Exactement, vous avez totalement donc raison à faire impliquer les partis politiques dans un débat pareil. C'est qui sont représentés au niveau local. Oui, c'est important. Une assemblée, elle est Et même, on ne peut pas faire une solution administrative pour toutes les communes. Il n'y a pas de recette magique. Donc, les territoires sont différents. Chaque territoire a quand même ses spécificités. Et je pense qu'on doit faire un diagnostic donc, territorial pour chaque territoire. Et on adapte les solutions de développement en fonction de chaque territoire. Il faut prendre en considération aussi les menaces qui guettent notre pays, notamment au niveau des zones frontalières, la vulnérabilité aujourd'hui. Exactement, je pense que surtout par rapport à nos jeunes, on doit travailler aussi leur capacité de résilience par rapport à tout ce qui se passe à l'international. Inciter à occuper le terrain. Exactement. Mettre en place des mesures incitatives pour occuper le terrain. Avec des mesures incitatives, des mesures fiscales, du financement bancaire pour faire stabiliser un petit peu les populations dans leur région. Et je pense que déjà, on a vu des projets surtout dans l'agriculture, dans le tourisme, dans des zones frontalières. Je pense que ça ne peut être que bénéfique et ça permet de stabiliser les populations dans les régions là où ils sont. Alors vous avez abordé une question essentielle, le nerf de la guerre, la finance. Mmh. Aujourd'hui, la réforme bancaire, elle est plus que impérative. Continuer cette lancée aujourd'hui, puisque nous adhérons à la Banque de Brice, ça pourrait être aussi une locomotive. Je pense que pour tout revoir. Je pense que ça doit continuer. Ça a commencé déjà 5 ans, la réforme du système bancaire, et surtout les banques publiques. Ça a commencé avec l'installation de l'ouverture de 2 succursales, donc je pense au Sénégal et en Mauritanie. Mais à mon sens, c'est pas suffisant. On doit encore occuper plus le terrain, surtout le continent africain et aussi pourquoi pas l'Europe, la Chine. On doit être représenté partout, et même en termes de réforme du système bancaire, surtout les banques publiques, on a accumulé beaucoup de retard, et je pense qu'il est temps d'accélérer un petit peu et de retravailler surtout la ressource humaine qui est à mon sens le centre de tout changement. Il faut accélérer la monétique. Exactement. Pour éliminer le cash. Exactement. Le cash, c'est l'informel qui risque d'être aussi une menace pour le pays. L'informel, je pense qu'il est temps aussi, le nouveau président doit quand même prioriser ce chantier. L'informel, il est temps de trouver une solution définitive pour le marché parallèle, parce que c'est une économie en parallèle. Hein. Il y a beaucoup d'argent qui circule dans le marché parallèle, il y a beaucoup de citoyens algériens qui travaillent dans le marché parallèle. Donc, on ne va pas supprimer le marché parallèle, mais on va le récupérer pour qu'il devienne un marché officiel, mais pour qu'il devienne
citoyens qui rentrent dans l'officiel, il faut des mesures incitatives. Il faut retravailler la confiance aussi dans l'économie. Alors, rétablir la confiance, c'est une question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, pour bien sûr permettre à l'Algérie d'intégrer l'émergence et d'atteindre les objectifs de croissance réelle aujourd'hui de notre économie, il faut la confiance et aussi la sérénité et stabilité des lois. Exactement, donc la stabilité juridique, c'est très important. Il ne faut pas qu'on change des lois chaque année. Je pense que déjà la loi sur l'investissement... On l'avait déjà, le dernier quinquennat, c'était un engagement qui a été fait. Oui, oui, la stabilité des lois, je pense qu'on est dans le bon sens, mais par rapport à... Parce que c'est elle qui va un petit peu travailler la confiance, que ce soit pour les Algériens ici ou même pour les étrangers qui veulent investir en Algérie. Donc la confiance dans l'économie, elle est hyper importante, comme elle est importante partout. Donc, mais faisons quand même, nous en tant qu'Algériens, faisons confiance à nos pouvoirs publics déjà. Il faut qu'on donne aussi la chance aux nouveau président pour, et il faut qu'on soit derrière lui, donc tous les acteurs de la vie politique et économique doivent être derrière le président pour un petit peu réussir les nouveaux défis économiques. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui également, monsieur Adel Bourgazen, par rapport à cette culture aujourd'hui citoyenne, la culture du vote, est-ce qu'il l'instaurer dans les programmes scolaires, c'est une excellente initiative. Il faudrait apprendre aux élèves à voter sur tous les aspects qui les intéressent, par exemple en classe déjà, apprendre à voter et lire par exemple le représentant de la classe, comme c'était le cas par le passé. Exactement, mais de donner aussi de l'importance à ce chef de classe, cet enfant-là, quand on... Le responsabiliser. Le responsabiliser, lui donner quand même des missions, parce que la démocratie, c'est un état d'esprit avant tout. Il faut C'est un apprentissage. Certaines démocraties, elles ont plus de 2-3 siècles. Il faut, il faut de la pédagogie, il faut faire assister ce président, il faut que ça soit d'une manière alternée aussi. On fait un chef de classe un semestre, deuxième semestre on fait quelqu'un d'autre, c'est un apprentissage et c'est à travers cet apprentissage-là que les enfants vont apprendre l'exercice démocratique depuis le jeune âge et pourquoi pas, donc adhérer à des associations, à des partis politiques, ça va être une continuité de ce qu'ils ont appris. Mais il faut que le ministère de l'éducation aussi fasse un petit peu un effort dans la réforme des modules de l'éducation civique. Alors, autre question de l'électeur qui vous dit de l'auditeur qui vous dit également, on est dans l'élection, donc voilà, j'ai confondu. Il faudrait aussi parallèlement, c'est-à-dire impliquer le citoyen dans toutes les actions qui intéressent la cité. Il faudrait avoir cette nouvelle culture aujourd'hui de communication et d'implication du citoyen directement. Exactement, je pense que déjà on parle... C'est ça qui va inciter aussi au vote. Exactement, c'est la cité, les comités de quartier. Donc on doit avoir normalement dans chaque quartier un comité de quartier qui est l'espace donc de préféré et idéal pour l'exercice de la citoyenneté. Parce qu'actuellement, il faut que là on revient aux jeunes, il faut que les jeunes investissent aussi les comités de quartier, parce que les comités de quartier, il ne faut pas qu'on voit uniquement des retraités, il faut qu'on voit toutes les tranches de la société dans les comités de quartier. Je pense que c'est la première cellule d'exercice de la citoyenneté. Alors, vous avez abordé une question importante. Vous avez parlé, l'âge importe peu, c'est la compétence qu'il va falloir. Il faut impliquer toutes les compétences dans tous les secteurs stratégiques pour réussir le prochain quinquennat et surtout atteindre l'émergence, puisque le prochain quinquennat sera éminemment économique. On a vu des pays, même en conflit, ils continuent aujourd'hui à booster leur économie, à booster leurs finances et commercer même avec les pays adversaires. Exactement. Je pense que l'opération de développement est une opération qui doit être inclusive et elle doit inclure donc toutes les tranches de la société, les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes, les personnes en situation d'handicap. Je pense que tous les Algériens doivent être derrière le nouveau président pour réussir quand même le nouveau mandat. Monsieur Adel Bourgazen, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Je rappelle que vous êtes venu de Sétif pour participer avec nous pour la soirée électorale, c'était hier, et l'invité de la rédaction de ce matin. Merci beaucoup, bon courage. Merci. Et bon retour, à bientôt.